Et salut les amis! Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de l'ouverture du colis de notre GG National. On finira par une majo exclusive à la fin. Et on va commencer par une belle allemande, par le Porsche Panamera Turbo Hybride Sport Turismo. S'il vous plaît, une rallonge sur le nom. Et super bonne aile avec le Grinardo. Très à la mode en ce moment, d'ailleurs même les Coréens s'y mettent sur leur Hyundai et leur Kia, je sais pas quoi. Donc elle, alors pour le coup, elle est full tempo derrière, avec les beaux feux bien retranscrits, avec les quatre belles sorties. La tempo avant complète, sublime, avec le petit Porsche qui va bien ici. Les roues superbes, bien grosses, qui remplissent bien le passage de roue. Elle est sublime. Celle-ci, bon, je pense que c'est... modèle à posséder absolument. Elle est sublime. J'aimerais bien qu'il la fasse en une autre couleur. Cette année, ça serait cool. On va continuer sur une allemande, une belle allemande, que vous avez déjà vue peut-être ailleurs aussi. Donc, notre classe A, mai de 2019. Sublime. Donc, nouveau moule. Elle est terrible. Full tempo avant. Hot Wheels, MB. Hot Wheels, MB Matchbox, 19 l'année. Je pense que ça veut dire Matchbox et Hot Wheels. Hein. Ah non, Mercedes-Benz, suis-je bête. Très belle. Waouh, tempo arrière magnifique. Elle a été présentée par GG aussi. Les roues sont super jolies. Elle est sublime. Le toit panoramique. Waouh, je vais essayer d'avancer, voir un petit peu le zoom s'il est bon. Le point. Ouais, c'est pas vilain. C'est beau. Elle est très très belle. Miniature complète avec tempo avant, tempo arrière. Là, on est gâté cette année. Je pense que déjà ces deux modèles-là. On peut continuer dans la lignée avec la nouvelle couleur de la 300ZX qu'on avait vue en blanche. Pareil, modèle à posséder absolument. Regardez comme elle est belle. Tempo avant, tempo arrière, complète. Des belles roues. Le petit toit qui va bien et tout ça et tout. Elle est sublime. Ça, ces trois modèles-là avec. C'était laquelle qui avait une full tempo avant arrière. J'ai des trous de mémoire, les gars, je vous dis pas. Ben on peut continuer avec celle-ci aussi qui est pour moi voilà, pareil, une full tempo avant, full tempo arrière. Ce magnifique Audi 2017, le RS6. Regardez-moi cet avant. Ça, moi, ça me plaît, voilà. Avec le quattro en bas et tout ça. Quand Twills s'envoie comme ça, franchement, ça démonte. Oui, je cherchais, c'était le Porsche Carrera aussi, qui est tempo avant, tempo arrière, qui est magnifique. Voilà, regardez-moi cet arrière. Sublime. Hein, c'est beau, hein. Ouais, c'est complet, il n'y a rien à faire, quoi, c'est magnifique. C'est ce bleu pailleté, métallisé avec le toit ouvrant. Ça, c'est des sans faute. Ces quatre-là, avec la Porsche, que je vous dis, pour moi, c'est la brochette gagnante, quoi. Full tempo avant, full tempo arrière. De l'allemande, un peu de Jap. Franchement, c'est le kiff. Et on va rester dans l'Audi. On va rester dans l'RS6. Donc là, on a la petite RS6 de 2017. Et là, on passe chez Matchbox avec. L'RS6, mais de 2002. Et bah pareil, c'est regardez-moi ça, ce bleu métallisé, ces roues sublimes. Pour le coup, les jantes sont magnifiques. Tempo arrière, magnifique, grandiose, complète. Les feux, le petit RS6 ici, les anneaux, la plaque, éclairage de plaque. L'avant, pareil, regardez-moi ça. La calandre, nid d'abeille qui va bien, bien agressive. Les longues portées en bas. Les feux, tout est bien retranscrit. Sublime. Toit ouvrant, on pourra même faire un petit comparo. Du coup, 15 ans les séparent. Et les lignes. Moi, celle-là, je la kiffais, quoi. Je la kiffe encore. Celle-là aussi, je la kiffe. Je préfère, j'ai peut-être une préférence. Vous me direz. Regardez-moi ça. Ah non, ouais. La plus récente est plus jolie, quand même. Mais l'ancienne, elle se débrouille bien. Elle était magnifique. C'était un avion de chasse aussi. Waouh. Ça, c'est des. Putain de bolide. Elles sont sublimes. Sont magnifiques. Ça, c'est des petites beautés. On va continuer avec une Matchbox à l'ancienne, comme Matchbox sait bien le faire. Donc le Jeep de 89. J'adore. Avec le bois sur le côté et tout à l'ancienne. Je kiffe. C'est un petit kiff. Voilà, c'est bon, peu détaillé, du plastique et tout ça, mais c'est super. C'est le genre de truc qu'on voit dans les séries télévisées. Qui font dormir là, l'après-midi.
Très très bon. On continue avec la bonne shaker, une de plus encore. Donc de la dernière sortie, bon gris avec les têtes de morse au côté, les roues rouges là, le teaseré, elle est très très jolie. On continue avec notre cool combi en blanc cette fois-ci, tag Urban Outlaw. Voilà, vous le connaissez. Mais du coup, c'est mon troisième parce qu'en fait, j'en ai trouvé deux du temps que je reçois le colis. Hop, d'ailleurs, je pense que je ferai des ventes bientôt parce que j'ai quand même pas mal de beaux modèles. Donc, si je peux faire des heureux. C'est cool. Donc là, bah, on connaît le 55 le Nomade de 1955 qu'on connaît très bien dans cette livrée très très jolie, usée, abîmée, rouillée. C'est très très beau. Speed Shop. Donc le magasin Hot Wheels Speed Shop. Elle est très belle. Beau bleu ciel, la fun, les roues avec le cerceau blanc qui est du plus bel effet parce que sinon ça aurait fait petit. Là, ça agrandit les roues. Très très belle. Vous allez dire, putain, mais le mec il dit beau à tout quoi. On va continuer avec le BM, notre M2 de 2016. Alors lui, pareil, sublime avec les bandes de M-Power sur le côté qu'on reconnaît bien, la couleur bleu, blanc, rouge là, enfin le bleu et rouge. Par contre, voilà, c'est dommage, pas de tempo, ça aurait pu être un super modèle, juste le petit BM en bois devant, dégueulasse. Et là, ben rien quoi. Parce que sinon, un super profil quand même, super bien proportionné, des belles roues. Dommage que bah, qu'il n'y a rien quoi. Donc je vais dire qu'elle est dégueulasse. Voilà. C'est dommage. Pas dégueulasse parce qu'elle est magnifique. Mais finition pourrie quand vous voyez ces bijoux là. Regardez-moi ça, comme ils se sont appliqués. Celle-ci, la ZD. C'est des beautés quoi. Et donc on va finir par notre petite DeLorean. Qu'on connaît bien, mais en version overmode. Donc. Pareil, alors là c'est super bien détaillé, full détail devant, full détail derrière. Super modèle pour les fans du film. Vous voyez, la carte est jolie. C'est super. Elle est magnifique. Ça, je la cherchais, je ne la trouvais pas par chez moi. Ça, c'est pas tout récent, hein. C'est quand ça? Elle, donc déjà c'est l'année dernière, donc c'est du 2018, fin 2018. Et je l'avais pas trouvé, et le GG. Fait son boulot parfaitement de chercheur d'or. Donc comme je vous l'ai promis, on va finir par un super modèle, un modèle Majot. Moi, vous savez que je kiffe les Majots. D'ailleurs, bientôt, il va arriver du lourd sur la chaîne avec des Majots qui vont certainement vous plaire, de l'ancienne Majot en blister, s'il vous plaît. Ça va être le kiff. Donc par ce petit combi, donc le T1, mais version Muller. Donc bon, ils l'ont mis en streetcar, hein. Version Muller. Donc c'est les boutiques allemandes là. Donc sont exclusifs à l'Allemagne. Et donc pareil, vous le connaissez celui-là, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai présenté, vous l'avez déjà vu ailleurs. Mais donc voilà, avec les couleurs de Muller, le toit orange, Muller orange, le petit Muller sous l'ouvrant derrière, la tempo arrière, la tempo avant. Voilà, là c'est du streetcar, c'est censé être l'entrée de gamme Majot, mais alors même chez Majot, voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, l'entrée de gamme elle est toujours full détail, feu rapporté, amortisseur parfois. Pas tout le temps, mais voilà quoi. Et puis son petit, ah ben si, amortisseur, voilà, on les voit là, donc amortisseur. Donc voilà, on finit en beauté avec ce petit Majot. Je sais plus le mettre, tellement il y en a. On va le mettre là, tiens, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager, de vous abonner pour ne rien manquer et d'aller checker la page Insta Lumi-TV. Et puis voilà quoi, les vidéos vont continuer à pleuvoir, il y a du lourd, je suis en retard, j'ai des caisses de partout à vous présenter. La rentrée s'annonce copieuse, les amis. Sur ce, ciao!